Depuis 2017, Action Logement a entamé effectivement une vaste réforme, réorganisation de son réseau de sociétés immobilières. Quelques chiffres simplement. Au sein d'Action Logement et de la branche immobilière, c'est-à-dire d'Action Logement Immobilier, on a environ 1 million de logements. Ces 1 million de logements sont portés par des ESH pour environ 920 000 logements. Et puis le reste des logements, environ 70-80 000 logements, sont portés par des sociétés de logement intermédiaire. Donc deux grands produits, le logement social d'une part, le logement intermédiaire d'autre part. On avait effectivement, quand la réforme Action Logement a été créée, un certain nombre de sociétés immobilières sur les territoires, parfois deux, parfois trois, parfois quatre, parfois dix. Donc un des premiers travaux qui a été réalisé, c'était de réorganiser, de restructurer complètement le réseau de nos sociétés immobilières. Donc ce réseau de sociétés immobilières répondait à un maître mot qui était d'avoir désormais entre 2 et 3 ESH par région, selon le type de région sur lequel on pouvait se trouver. Donc il a consisté à avoir à la fois des échanges de patrimoine, quand une société dont le siège pouvait être implanté à Montbéliard, pouvait être implanté à Paris, à Bordeaux, faire en sorte qu'elle se ressente sur son territoire, pour avoir effectivement plus de cohérence, plus de logique. Donc échange de patrimoine avec par conséquent aussi des transferts de salariés d'agences, d'organisations à la clé, ou des fusions par voie de fusion-absorption, qui est la principale mode juridique qu'on pouvait avoir de restructuration de nos filiales immobilières. Alors ça a représenté jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, environ entre 20 et 30 fusions, selon le type d'opération qu'on a pu réaliser. Réalisées entre la fin de l'année 2016, début 2017 et ce jour, plus un certain nombre d'opérations qui sont encore engagées et qui devraient arriver à terme à la fin de l'année 2019, ont effectivement un mouvement de restructuration considérable et qui s'est réalisé jusqu'à maintenant sans encombre, avec quand même une certaine réussite. Pour l'instant, non, il n'y a pas de cible qu'on puisse annoncer en termes de volume. Aujourd'hui, on est à 62 ESH sur l'ensemble du groupe Action Logement, via Action Logement Immobilier. Demain, on aura 5 structures de logement intermédiaire sur l'ensemble du territoire pour avoir cette offre complémentaire au logement social. Donc ça représentera environ 70 sociétés, 70 structures, donc avec toute une rationalisation qui aura été gérée et qui sera arrivée à son terme, qui aura été aboutie à la fin de l'année 2019. Les points d'attention clés, il y en a trois quand on va être sur l'accompagnement social de ces restructurations. Alors juste un petit propos liminaire, qu'on fasse des transferts de patrimoine ou des fusions-absorptions entre sociétés, dès lors qu'on a des collaborateurs, on va dire, avec un certain nombre en volume de collaborateurs concernés, on a à peu près le même impact social. C'est-à-dire que ça nécessite d'avoir la même attention sociale en termes de ressources humaines, qu'on fasse un transfert de patrimoine avec des collaborateurs, ou qu'on soit sur une absorption d'une société par une autre, ou sur un rapprochement de plusieurs sociétés entre elles. Donc on a trois éléments clés à suivre vraiment de très près, sur lesquels il faut être très vigilant, qui est la question du dialogue social, avec toute la dimension information-consultation des représentants du personnel, et savoir entraîner et faire adhérer aussi nos représentants du personnel des différentes parties concernées à ces projets de restructuration, soit fusion, soit transfert de patrimoine. On a la dimension organisationnelle, c'est l'opportunité parfois d'avoir des différentes parties concernées, repenser aussi l'organisation de la société ou des sociétés qui sont appelées à se rapprocher. Et puis on a une dimension impact social, droit du travail, statuts sociaux, où on sait qu'on a un certain nombre de statuts sociaux qui vont être remis en cause, qu'il va falloir revisiter, harmoniser, voire même repenser à l'échelle du nouvel ensemble qui va être constitué par les fusions. Un point aussi de vigilance, et je pense que c'est vraiment l'attention qu'on doit porter quand on est sur ce type de projet, on a une diversité de sociétés au sein d'Action Logement, du groupe Action Logement, qui fait que le temps d'un projet n'est pas le même d'une société à l'autre, selon le type de territoire, selon l'envergure et l'ampleur du projet, selon la taille des sociétés qui vont se rapprocher, et selon le sens qu'on veut donner justement à ce rapprochement-là, c'est-à-dire effectivement repartir sur une nouvelle entité par exemple. Donc dans certains cas, les sociétés vont mener conjointement le projet statuts sociaux, le projet réorganisation, le projet dialogue social, le projet refonte du positionnement géographique des collaborateurs. Et dans d'autres cas, on va être sur des temps qui vont être différents et qui peuvent être lissés sur 2 années. Il faut respecter ce temps-là qui est propre à chaque société et qui, si on fait les choses de manière précipitée ou de manière trop monolithique, effectivement, sont une des clés d'échec, un des facteurs d'échec de ces différents projets. Et dernier élément, effectivement, on est très attaché au fait de mener ces projets sans casse sociale, et jusqu'à maintenant, effectivement, sur l'ensemble des projets qu'on a pu conduire, on l'a fait de manière socialement très responsable. Le rôle de la holding, il va être assez divers. Selon l'expérience qu'a la société de ce type de projet, de restructuration, de fusion, elle va avoir plus ou moins d'autonomie dans la conduite du projet. Nous, on est vraiment là en accompagnement, en suivi des différentes structures, de manière à ce qu'au niveau du dialogue social,
au niveau de l'organisation, mais il appartient vraiment à la société de déterminer sa propre organisation. Et au niveau de la méthodologie, de repenser les statuts, d'harmoniser les statuts sociaux, qu'elle puisse vraiment être épaulée ou qu'on puisse la faire accompagner par des structures dont c'est le métier en termes d'accompagnement externe.